et bienvenue sur Zéro à la TV. Et oui, comme chaque jeudi soir, c'est parti pour votre rendez-vous, votre débrief de l'actualité high-tech de la semaine. C'est Zéro à la, et vous vous dites, mais où est-il Où est passé Jérôme Colombard Ne vous inquiétez pas. Jérôme est en week-end, il sera là de retour le week-end prochain, en tout cas jeudi prochain. Et je suis ravi de vous accompagner pendant ces 30 minutes avec au sommaire pour ce 01 Live Hebdo. Et bien YouTube, YouTube qui s'apprête à lancer, YouTube Red Kezaco, et bien c'est une version payante de YouTube qui enlève les publicités mais qui propose pas mal d'autres services. On va découvrir ça dans un instant et puis puisqu'on est toujours dans le, les services de vidéo. Euh, on parlera aussi d'un nouveau service qui arrive, qui vient des États-Unis, qui cartonne là-bas. Il s'agit de Roku. Delphine Sabatier de la rédaction de 01Net sera là aussi. Elle va nous parler d'un système de réalité augmentée qui est complètement bluffant. Vous verrez des images tout à l'heure. On découvrira avec elle MagicLip. Et puis on ira du côté du labo, comme chaque jeudi, avec Stéphanie Molinier, qui a avec elle la copie conforme du nouvel iPhone. Il s'agit du nouveau HTC. Vous verrez, c'est... Très bluffant, mais cela dit, ça a l'air d'être un téléphone assez intéressant. On découvrira aussi la montre de Samsung, la Gear S2. Et puis, on jettera aussi un oeil sur l'un des téléphones préférés de Bruno Cormier du moment. Il s'agit du dernier Meizu. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour ce Zéro en live hebdo. On est en direct avec le hashtag Zéro en live sur Twitter. Si vous voulez réagir et poser vos questions. Hashtag donc 01Live sur Twitter pour poser vos questions et réagir à l'actualité. Et puis bien sûr, notre question orange, comme chaque jeudi, avec cette question sur YouTube. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour regarder YouTube sans pub ah ah Bon, c'est pratiquement 10 dollars. Hein Ce n'est pas encore arrivé en France, mais ça saurait tarder. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à payer pour avoir du YouTube sans pub Oui, non www.01net.tv.com et euh, autre euh, rendez-vous sympa sur 01net.tv.com c'est notre euh, concours Divacor comme chaque jeudi soir on vous offre une enceinte Bluetooth Divacor une marque française qui a sorti il y a peu de temps, cette Cthulhu 2 euh, et alors elle est très sympa cette Cthulhu 2 tellement sympa, euh, et bien qu'elle a été élue meilleure enceinte Bluetooth au labo 01net, elle a une super autonomie un super son, et en plus comme elle a une grosse batterie, vous pouvez recharger votre smartphone en même temps que vous écoutez la musique et cette toulouse 2 est à gagner. Alors vous vous dites, mais comment Eh bien, il faut regarder ce 01 la 2 jusqu'au bout. Et euh, voilà, on va vous poser une petite question de fidélité en fait, concernant cette émission à la fin. Et vous pourrez la retrouver sur www.0nettv.com. Mais pour débuter donc, on va parler de cette annonce fracassante de YouTube. YouTube Red va arriver. YouTube va devenir payant. Et pour en parler avec moi, j'ai le rédacteur en chef du Pôle Actu de netcom c'est Éric Lebourlou. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Alors... Qu'est-ce qui se passe chez YouTube YouTube bah, va devenir payant, Eric Non, heureusement, YouTube ne va pas devenir payant. Ça, ça aurait été un petit peu, euh, un peu fou comme annonce quand même. Mais par contre, YouTube va proposer une version payante, en plus de ses services gratuits, une version payante qui va être lancée là, incessamment sous peu, hein, le 28 octobre aux États-Unis, et euh, pas en France encore, que aux États-Unis pour l'instant, et qui va proposer une version de, alors ce que Google appelle, la version ultime de YouTube, l'expérience ultime de YouTube. Autrement dit, un youtube sans publicité déjà ça c'est la première des choses vous n'aurez plus de, de publicité en pré-roll hein, avant les vidéos après les vidéos euh, voilà il n'y aura tout simplement plus de pubs. C'est vrai qu'en plus on a l'impression que la pub est de plus en plus présente aujourd'hui ouais, sur y a YouTube. il y en a de plus en plus et il y en a encore plus aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. Voilà. Donc euh, c'est vrai que pour les Américains, il va y avoir quand même un gros changement entre la version sans pub et la version avec pub, même s'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent des adblockers aujourd'hui et qui ne voient pas, donc, enfin, en tout cas beaucoup moins de publicité sur YouTube. Ce, alors donc ça coûtera un peu moins de 10 dollars par mois. Ça coûte ça... 9,99 dollars, enfin bon voilà, <laughs> c'est voilà, 10 dollars et, et effectivement ça va ça ça, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a, euh, a pas que la publicité qui, qui est supprimée. Ouais. Il voilà, y a d'autres nouvelles fonctions et la première des fonctions intéressantes, c'est euh, de pouvoir enregistrer les vidéos qu'on désire voir euh, hors ligne. Euh, typiquement un peu comme ce, comme ce qui marche avec Spotify ou Deezer, quand vous êtes abonné premium vous pouvez euh, stocker sur votre smartphone bah, toutes les musiques que vous souhaitez vous allez pouvoir faire la même chose avec YouTube Red hein, parce que c'est le nom du service, YouTube Red euh, bah, stocker tout, toutes, les, toutes les vidéos que vous voulez vous les enregistrer sur votre smartphone et puis Ça, si, génial, parce si que vous prenez l'avion par ouais. exemple, si vous êtes dans, en train ou euh, si vous n'avez pas accès euh, à, voilà, à internet ou que vous ne voulez pas euh, subir euh, euh, des problèmes de données euh, quand, vous, quand, vous, quand vous regardez des vidéos, et eh ben vous pouvez euh, stocker les vidéos et les regarder offline. Alors c'est possible en bidouillant. Il hein, y a toujours des, des applications. Toujours moyen. Il y a plein d'applications qui existent pour le faire. Ou même euh, sur iPhone avec un iPhone j'ai pour le faire, mais c'est quand même assez fastidieux. Donc là c'est quand même un plus. C'est-à-dire que ouais. YouTube a offert des podcasts en gros hein, pour. pour, pour en, résumer. en, gros, ça, en hein, gros, oui, c'est un, un peu ça. Ouais. la vidéo à la demande. Euh, c'est un peu ça. Effectivement. Sans connexion. Et puis euh, voilà, c'est bien pratique pour ceux qui effectivement voyagent beaucoup par exemple et ouais. qui ont envie de suivre leur, leur, leur épisode préféré directement sans avoir à se connecter à Internet. Eric, c'est pas tout. Il y a d'autres ouais. bonus en plus si on passe à la version payante de ouais, YouTube. Il y a d'autres bonus. Alors il y, a un, il y a un bonus qui est bien pratique pour ceux qui aiment bien, qui sont tout le temps sur YouTube et qui, euh, et qui utilisent beaucoup, beaucoup leur smartphone. On va pouvoir aussi continuer à regarder YouTube même si on quitte l'application. C'est-à-dire, euh, vous, vous regardez pas en plus une conférence, vous suivez oui. une conférence, vous voulez euh, checker votre mail euh, ouais, rapidement. Là ça coupe. Et ça coupe. Bah, là ça coupera plus. Vous pouvez continuer à, à écouter le son de la vidéo alors que vous êtes sur une autre application de votre smartphone. Ça c'est plutôt pas mal. Mais surtout, est-ce qu'il et sans ouais. doute la killer app de cette, de cette offre payante, c'est qu'elle concerne aussi la musique. Euh, YouTube aux États-Unis a lancé un service de musique déjà il y a quelques temps, qui s'appelait YouTube Music Key. Donc là, ça change, ça va tout simplement s'appeler YouTube Music. Et tous les gens qui vont être abonnés à YouTube Red auront accès à cette application de musique. Donc où on va pouvoir bah, avoir tout le contenu musical de YouTube, euh, offline aussi. Hein, on pourra donc télécharger tous les clips, tous les concerts qu'on veut, euh, tous les titres des, des, des artistes qu'on préfère. Et ce qui est un... Mais on aura l'image. Aussi. Et on aura l'image, ou si on n'a pas envie de l'image, on pourra se mettre le son simplement si on a envie. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, euh, Google a couplé ça à une autre offre musicale qu'il a déjà dans son magasin, qui a jamais eu beaucoup de succès. Euh, cette offre musicale, c'est Google Play Music. Hein, c'est une offre à la Spotify, à la Oui, c'est le Spotify, c'est l'Apple le... Music voilà, de exactement Google. Exactement la même en chose, euh, avec le même catalogue, avec hein. le même en gros le même catalogue, voilà. et puis un espace de stockage si vous voulez stocker vos propres MP3 dans le cloud. Euh, même si l'ergonomie vous... n'est pas aussi réussie. Non. C'est vrai, il n'y hein. a pas de client à la Spotify, ouais. c'est entièrement en ligne, c'est un peu moins bien fait. Mais en tout cas, tous les gens qui sont abonnés YouTube Red auront aussi accès pour le même prix, pour 10 dollars, euh, à ce service de musique. Donc en fait, vous aurez un Spotify Google pour 10 dollars, plus YouTube gratuit. Et inversement, tous les, tous les clients de, YouTube, de Google Play Music auront de fait accès à YouTube Red. Et ça, c'est peut-être une petite rap parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, au-delà de Spotify, d'Apple Music, aujourd'hui, c'est le premier service de musique. En ligne du monde, c'est l'endroit le, où les gens cons, consomment le plus de musique, et ça, oui, oui. et ça Google en est parfaitement conscient et voudrait bien bah, voilà, essayer de capitaliser sur, ce, sur cette énorme consommation de musique qui est sur YouTube pour en faire un service un peu plus euh, voilà, euh, économiquement rentable. Et puis parce qu'en en fait il y a aussi un truc génial, c'est que sur YouTube on trouve tout. Voilà, on trouve on tout, on trouve ouais, de hein. tout. Ouais, 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 c'est Effectivement, les, on... les vieilles chansons qui n'existent plus, voilà. qui sont parfois même pas sur, euh, sur Spotify, on les trouve aussi sur on YouTube. On les trouve ouais. sur YouTube et puis on trouve sur YouTube, on trouve aussi évidemment plein de concerts, plein de live. Oui. des lives professionnels, des lives amateurs qui sont parfois très bien filmés. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'il y a, a c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver comme, comme musique sur YouTube. Ouais. Voilà. Et puis comme ça vous pourrez aussi regarder Zoranet TV sans pub, hein, si vous êtes oui, Exactement. Abonnés, puisque tout à fait. Euh, mais... ce, ce système bénéficiera aussi aux éditeurs, on va dire, qui proposeront voilà. du contenu. Alors il y a ça. Alors y a, y a, ça c'est aussi l'autre partie du, 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 du deal, hein, mm -hmm. parce qu'il y aura aussi euh, des contenus exclusifs qui vont être proposés par Google à partir de l'année prochaine. C'est pas, pas encore lancé, mais dès l'année prochaine Google va se la jouer. Un petit peu Netflix et va proposer des contenus qu'il va produire lui-même euh, payé euh, avec des stars de YouTube alors il y en a beaucoup hein, on ne va pas tous les citer mais il y en a une qui est très connue puisque c'est la plus grande star de YouTube euh, c'est PewDiePie hein, qui est un qui est un, mmh. jeu, un gamer un gamer euh, voilà qui est un streamer qui joue devant son qui joue de, qui joue devant sa caméra et qui a des millions de fans partout dans le monde qui fait des millions de vues et bien PewDiePie va faire une série en exclus sur ce YouTube Premium ce YouTube Red euh, avec les producteurs exécutifs de Walking Dead d'ailleurs donc voilà ça va être a priori un, un show un peu un peu spectaculaire. On voilà, n'a on que quelques détails pour l'instant mais euh, donc Google a aussi une politique de programmation premium pour YouTube Red. Il y a d'autres programmes, il y a Collège Humor, aussi des gens comme ça qui vont participer à cette production de contenu pour YouTube Red. C'est séduisant, hein, malgré tout. C'est séduisant, mais il faut voir si, euh, voilà, parce que ce que vous, les gens vont tenir principalement, c'est ça va me débarrasser de la pub. C'est pas sûr que juste l'argument ça va nous débarrasser de la pub, ça suffise à faire marcher YouTube. Ouais, euh, c'est là où je trouve que YouTube a été malin, c'est qu'ils ont packagé une offre qui va bien au-delà de la publicité, ça télécharger les vidéos YouTube, avoir appelé à Google, à, accès à Google Play Music, peut-être même du contenu premium euh, qui ne serait disponible que dans cette YouTube, version première, premium. C'est quand même pas mal. C'est pas, même... pas mal d'avantages. j'avais pas mal d'avantages. Il faut voir que mmh. voilà, on, va, on va voir la, la semaine prochaine si, si ça part bien pour YouTube Red. Voilà, on ne sait pas quand ça sortira en France. En non, il y a pour hein. l'instant, c'est absolument pas euh, absolument mmh. pas précisé. Euh, et puis, euh, je pense qu'on on va, on va attendre encore un petit peu, ouais, avant de l'avoir en France. Alors, toujours dans ce domaine de la vidéo euh, à la demande euh, qui explose, euh, il y a un nouvel arrivant vient de taper à la porte de, de l'Hexagone. Ouais. Il s'agit de Roku. Alors ouais. Roku, on ne connaît pas, on ne sait pas du tout non, de qui il s'agit, sauf mmh. si on est américain, en tout cas qu'on qu connaît bien ce territoire, et qu'on regarde la télé chez des potes ou en famille là-bas. Ouais. Euh, C'est un boîtier qui a énormément de succès, et qui arrive en France. Oui, alors déjà on, était, on est plutôt contents parce qu'on était un peu les, les, les premiers à, sur Net à annoncer euh, l'arrivée de Roku en France. Euh, mais alors, Roku, c'est vrai qu'on les connaît pas, mais ce sont les champions du streaming aux États-Unis. Euh, des petits boîtiers Roku, il y en a partout dans les foyers américains. Et donc, ils, a, ils vont essayer, voilà, c'est un pari. Ils arrivent en France, alors que bon, en France, on n'a pas tout à fait le même ouais. marché que là-bas. Ils essayent avec ces boîtiers qui sont en fait des boîtiers. Alors, vous avez plusieurs modèles, hein, mais il y, y a notamment une clé qui ressemble un peu à un Chromecast qui est le modèle d'entrée de gamme. Vous avez un, un, un modèle un petit peu plus évolué qui vous permet notamment de stocker davantage de choses, etc. Mmh. Et ça vous permet quoi Ça vous permet d'accéder à des services en ligne de type il bah, y a Netflix, il y a Dailymotion, il y, y a beaucoup de choses, il y a YouTube, etc., etc. Euh, tout ça packagé dans une interface. Euh, bah, qui ressemble un peu à l'Apple TV, mmh. si vous voulez. C'est un, grosse... un concurrent de l'Apple TV euh, ou de, du boîtier Fire d'Amazon qui est sorti aux États-Unis, bah, encore en France. Alors ce qu'il y a de dingue, c'est qu'ils vendent plus d'appareils que Apple ou Amazon ouais, aux États-Unis. Ils vendent plus d'appareils qu'Apple ou Amazon parce qu'ils ont du, un contenu euh, assez intéressant. Ils ont, par exemple, ce sont les seuls à avoir la plateforme d'Amazon sur, euh, sur leur boîtier. Plus Netflix. Euh, plus Netflix. Donc voilà, ils ont une offre qui est quand même très intéressante d'un point de vue service. Et c'est pas très cher, c'est pas très cher, c pas des produits très chers, et puis c'est des produits assez innovants là. Ils viennent de le lancer, alors il sera pas lancé en France. Le boîtier qu'on voit là, je crois que c'est celui-là. C'est un boîtier 4K, donc qui est compatible avec les télévisions 4K. Il n'est pas disponible en France, mais voilà, ils innovent mmh. aussi pas mal, et c'est ce qui fait leur succès aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ça va marcher en France C'est une toute autre histoire, puisque en France, on sait que, bah, en général, quand ouais. vous allumez votre télé, vous allumez votre box. Où il y a déjà tous ces services ou pour les, pour les meilleurs, hein, pour la Freebox par exemple, vous avez accès, euh, bah, voilà, à, à, tous services, à tous les services. services, pas Netflix sur la Freebox, mais c'est assez facile de l'avoir. Euh, et puis, et puis euh, voilà. est-ce qu'avoir un service au-dessus qui va, qui va donc vous allez brancher directement à votre télévision, mmh. ça peut marcher pour des gens qui, comme en France, ont principalement des box pour avoir la télévision et les services en ligne, c'est pas sûr. Oui, mais en tout cas, ils y croient eux, hein, puisqu'ils ont choisi la France pour se lancer. Oui, ils y croient. Donc, ils, c est, c est, ils ont dû, malgré tout, j'imagine, voilà. faire des études de marché. Ils, oui, ils, ils doivent y... se dire que ça doit marcher. Ça... Oui, ouais, ils y croient. Alors, le, le seul petit problème, c'est qu'ils n'ont pas autant de, de services et de contenu en France qu'aux États-Unis. Oui, c'est ça le problème. Donc, voilà, il ouais. va falloir aussi que ça se développe pour qu'ils puissent proposer une offre qui soit ben, compétitive face, à, face aux box. Dernière question concernant Roku quelle est la différence entre Roku, par exemple, et euh, la Chromecast dont on a déjà parlé Ça Alors, fait à peu près la même chose. Ça, ça fait à peu près la même chose, mais c'est un peu plus complet dans le sens où ça, ça peut gérer aussi vos médias personnel comme les comme vos propres Divix même s'il faut pas trop dire ce nom mais ça peut aussi gérer On va avoir des films de vacances en tout tout à fait mais c'est vrai que la Chromecast a un fonctionnement très limité puisque ça fonctionne juste depuis depuis un depuis un smartphone un smartphone et les applications compatibles même si on a beaucoup aujourd'hui la Chromecast est un est un device assez bête en fait finalement finalement là on a accès à une vraie interface un vrai c'est un vrai petit on va dire un petit lecteur média de salon quoi voilà et puis on n'a pas besoin de d'avoir son smartphone, hein, une télécommande suffit voilà. qui est livrée okay. alors qu'on le sait, Chromecast c'est très bien, mais il faut avoir un il faut smartphone, avoir un smartphone, sous, smartphone la main, sous la main. Ouais. Ou un ordi, éventuellement. Exactement. Autrement, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, concernant YouTube, on revient avec euh, un point sur notre sondage. On vous demande justement si vous êtes prêt à payer euh, 10 dollars ou 10 euros pour voir... Euh, YouTube sans pub, alors là, euh, Eric, c'est pas, pas joli joli. <laughs> on est à non à plus de 93%. Eh oui. ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est ce vrai que ça va être très difficile de convaincre les gens sur le registre de la on va vous couper la pub, puisque la, la plupart des internautes ouais. savent désormais qu'ils peuvent couper la publicité assez facilement. Donc c'est pas, pas ça qui va faire marcher le service. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'autres services plus intéressants sans doute. À suivre, en tout cas. Hein. Et puis quand ce service arrivera en France, ce qui n'est pas encore le cas, on non. en reparlera. Ouais. Merci beaucoup Eric Bourlot. Et puis euh, je vous rappelle qu'au-delà du fait que vous pouvez voter, euh, toujours voter sur www.0nettv.com concernant ce sondage, on vous offre ce soir une super enceinte Toulouse 2 de Divacor, une enceinte Bluetooth euh, qui fait partie des meilleurs du marché puisque le labo ZeroNet l'a testé euh, et ils ont validé sa qualité. Euh, donc n'hésitez pas, si vous voulez tenter votre chance, vous allez sur www.0nettv.com, tout comme le sondage. Et sur la gauche, on vous propose une petite question liée au contenu de ce ce 0 à la Webdo, donc il faut nous regarder. Mais si vous nous regardez, vous avez forcément la réponse à cette question. Et après, vous êtes tiré au sort. Si vous nous regardez sur YouTube, par exemple, euh, allez sur www.0nettv.com. Vous avez toute la semaine pour le faire, pour tenter votre chance. Tout de suite, on va retrouver Delphine Sabatier, la directrice de la rédaction de 01Net.com, pour faire un point sur le zoom Actu de cette semaine. Le hashtag zéro à live, si vous voulez en direct réagir à tous les sujets qu'on évoque, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Sur Twitter, donc hashtag zéro à live. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir. Directrice des rédactions de zéro à net.com. Delphine, on va s'en prendre plein la vue maintenant. Oui. Avec une vidéo qui fait vraiment un succès sur le web incroyable. Il s'agit de Magic Clip. Euh, on a vu de l'Holalance, on a vu de l'Oculus, mais là on a l'impression de franchir une nouvelle étape avec ce service. Ah oui, alors c'est une première démonstration de force quand même en réalité augmentée. Il ne faut pas confondre déjà réalité augmentée et réalité virtuelle. On n'est pas... Réalité virtuelle, c'est beaucoup plus simple finalement. On est plongé dans un monde oui. irréel. Et on est complètement déconnecté de la réalité. Exactement. Alors que là, euh, sur la réalité augmentée, on est dans, une, dans, mmh. dans un monde réel. Il y a des éléments qui viennent... Du monde virtuel et qui vont pouvoir interagir avec nous. Alors c'est ça qui est complètement bluffant euh, dans la vidéo de Magic League, c'est finalement on se rend compte qu'on est capable de faire surgir. <laughs> Regardez les mails, c'est génial. Images, quoi. Voilà, ouais. Les mails, on voit qu'au début il regarde son YouTube et puis finalement il va décider de jouer. Mmh. Et euh, on est capable d'interagir avec des éléments qui n'existent pas. Ouais. Euh, et c'est la première fois, en plus, avec un temps de latence qui a l'air euh, à peu près au niveau de zéro. Et alors là, ce qu'on voit, système solaire, avec euh, des lumières incroyables. Là, ce n'est pas tellement la démonstration sur l'interaction, c'est la démonstration sur oui, les des capacités techniques en fait, du voilà, système. On, on, est vraiment, on a l'impression d'avoir le soleil, la Terre qui brille euh, devant nous. Donc, on en espérant jamais que ce ne soit vu... pas des images trafiquées, que ce soit véritablement ce qu'on voit quand on porte ce système, en fait. A priori, oui, ça s'est passé quand même quand, lors d'une conférence. Euh, je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, comment euh, ça fonctionne Quel est le produit qui va nous permettre d'accéder mmh. à ça Ça, c'est la grande question. Euh, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des lunettes ou des lentilles à voir, avec un petit boîtier euh, qu'on s'accroche à la ceinture. Alors, ce petit boîtier, enfin, il renferme vraiment un ordinateur, puisque Magic oui, Leap le en fait. a révélé, voilà, qu'il allait développer un système d'exploitation. Il va y avoir un vrai. OS de Magiclick dédié à la réalité augmentée, ça c'est assez exceptionnel. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils n'utilisent pas ce qui existe déjà Parce qu'il a besoin de vraiment de quelque chose qui permette de projeter des images directement dans le champ visuel à un endroit très précis au moment où l'utilisateur décide de faire apparaître quelque chose. Donc c'est très pointu, ça doit être hyper réactif et en plus Magiclick promet que ça ne fera pas mal à la tête et ça c'est très important parce que c'était un des arguments contre le HoloLens de Microsoft, c'était de dire nous on va sortir une techno qui est bonne pour la santé, où il n'y a pas de risque sur le système nerveux, le système visuel. Mmh. Alors cette, cette société est sortie de nulle part il y a un an. Hein, on en avait déjà parlé il y a un an parce qu'ils avaient commencé à annoncer. Euh... Mais là, ils en sont où C'est un prototype, ça va bientôt sortir. On a, on a des infos là-dessus Alors, ils travaillent dessus depuis 2010, mais on en a entendu parler l'année dernière ouais. parce que Google a mis beaucoup d'argent. D'accord. Voilà, 542 millions de dollars, euh, tout simplement, avec Qualcomm quand même, ils ne sont pas tout seuls. Euh, donc, c'est comme ça, ça que, que c'est sorti. sont puissants à l'intérieur, donc c'est pour ça. Et ouais, oui, exactement. Et, euh, et puis, euh, c'est surtout pour Google c'est la génération d'après les mmh. Google Glass. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans quelque chose d'assez. Ah ouais, vous pensez qu'on peut imaginer intégrer cette technologie dans les prochaines Google Glass Exactement. Parce que d'ailleurs, quand je vous parlais de santé, il y a eu un cas de signaler d'un homme qui portait des Google Glass et qui s'est retrouvé à se taper contre la tempe comme ça, alors qu'il n'avait plus ses lunettes. Donc, on voyait que ça avait quand même perturbé un peu son... Un petit peu, quand même. Voilà. Ouais. Donc, là, ils sont partis aussi de ce constat, Magic Click, en se disant, on va essayer de faire quelque chose de naturel pour le cerveau humain. Donc, Google a tout à fait, tout à fait intérêt à travailler avec eux. Voilà, Magic Click, on n'a pas de prix, bien évidemment. Hein. On n'a pas de prix, on n'a pas de date, oui. mais euh, paraît-il que c'est assez proche. Que assez on proche. sait Cololens mmh. donc le projet concurrent de Microsoft... Début 2016, on aura un projet, mmh. un produit euh, pour les développeurs. A priori, Magic League va essayer de ne pas être très loin derrière. La bataille des géants d'Internet euh, est jusque dans ces systèmes de réalité euh, augmentée maintenant. On le voit, hein. Microsoft d'un côté avec HoloLens, et puis Google qui, euh, voilà, par... Euh une, un accès déporté avec cette boîte-là, Magic Click, ouais. et sur ce, ce message aussi. Et Facebook aussi a dit qu'il allait s'intéresser de près à oui, ce bien sujet. Bien sûr, puisqu'ils ont acheté, euh, rappelons le Oculus Rift. Alors voilà, qui est totalement dans la réalité mmh. virtuelle, mais il travaillerait également à de la réalité augmentée. Bon Delphine, je suis sûr que dans quelques années, on aura tous des masques, comme ça, ça va être super. Et moi, je suis impatient ce sera peut-être des lentilles, Espérons. faut pas être si négatif. ouais vous dire pas là que je n'aurai même plus besoin de lunettes, ça corrigera ma vue, et en plus j'aurai des informations, euh, etc. Exactement, vous pourrez travailler voilà. sur plein de bureaux virtuels en même temps, par super. exemple. Ça va être top. Merci beaucoup Delphine. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur Magic Leap, il y a un article complet qui vous attend sur 01net.com avec la vidéo qu a, que vous avez pu voir en extrait tout au long de l'intervention de Delphine. Merci beaucoup Delphine. Merci, bonne soirée. Euh, hashtag live bien sûr, sur Twitter si vous voulez réagir, et tout de suite direction le labo avec Stéphanie Molinier et Bruno Cormier qui me rejoignent sur ce plateau. Nous sommes en direct. La preuve, il est 18h21. Vous êtes sur 01net TV et comme chaque jeudi soir, on passe ensemble toute l'actualité tech. On débriefe tout ça pendant 30 minutes et maintenant direction le labo 01net avec Stéphanie Molinier qui est là. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir François. Et Bruno Cormier. Bonsoir François. Vous vous dites tiens, mais que vaut cette nouvelle montre connectée Samsung, la Gear S2 Restez là dans un instant, Bruno. Euh, alors nous ne donnera pas tout, euh, les, toutes les spécificités de cette montre, en tout cas peut-être ses spécificités mais pas vraiment ton sentiment parce que tu ne l'as pas encore testé mais on l'a reçu ici au labo vous en saurez plus dans un instant mais auparavant ça c'est quand même une grosse news HTC qui on le sait Stéphanie ne va pas très très bien hein, dans le domaine du smartphone. a que... beaucoup de galères rencontrées avec le dernier voilà. flagship, le OneM9. exactement <laughs> qu'on avait découvert, on s'en souvient, au Mobile World Congress, mm -hmm. qui n'a pas rencontré le succès escompté. C'est bien dommage hein, parce que HTC faisait partie véritablement, il y a encore quelques années, de ses, on va dire, du top des constructeurs de smartphones. Et puis là, depuis quelques temps, il s'écroule. Donc là, il relance très vite un nouveau smartphone que vous avez en main et qui est quand même assez étonnant. On oui. dirait un iPhone. On dirait un iPhone, mais euh, HTC a un petit peu anticipé euh, ouais. <laughs> la chose parce que c'est vrai que quelque part et puis, quand la on SUMA, voit... hein, on a l'impression. Oui. Non non, et puis quand on voit les gammes de HTC depuis quelques années, euh, on avait, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde se souvient, on avait le One S qui était un appareil très fin. Qui n'était pas en métal, hein, mais qui avait déjà un petit peu euh, cette apparence de, de l'iPhone. Et, et qu'on regarde ensuite l'évolution, le One M7, M8, ouais. M9, hein, qui sont des appareils métal. Bah finalement, on se dit que celui-ci, il coule de source. Hein, et que c'est pas du tout euh, une imitation euh, de l'iPhone 6S. Alors bon, et pourtant. Et pourtant, alors je ne sais pas si Pierre peut nous faire un. Attention, celui-ci, c'est le plus. Ouais, c'est le plus. Voilà, mais hein. c'est juste pour vous montrer l'arrière. Alors, faites abstraction de la taille. C'est hein. très proche. <laughs> de la taille qui n'est pas la même. Mais franchement, euh, regardez, les barres d'antenne sont exactement au même endroit. Alors oui, l'appareil photo est au centre sur le HTC, il est sur le côté sur l'iPhone, mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez troublant. C'est assez troublant. Assez troublant. Euh... Alors, en revanche, euh, bon, cet appareil-là, il va être disponible très très vite. Hein. Il est déjà en précommande mmh. sur, euh, chez, chez les opérateurs, euh, pas mal d'endroits. Euh, il sera disponible un petit peu plus tard dans une couleur grenat. Une espèce de rouge intense qui est vraiment très réussie. C'est très beau. Ah oui, Et au niveau de spécifications techniques, on est sur du haut de gamme On est euh, sur quoi On n'est pas complètement sur le, le, le top du haut de gamme, mais c'est quand même très très bien. Euh, parce qu'on a par exemple, au niveau de, de l'appareil photo, on a euh, un 13 mégapixels mmh. euh, avec stabilisation optique, ce qu'on n'a pas sur l'iPhone 6S. On ouais. est seulement sur la version Plus. Sur le Plus, oui. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis en plus, niveau... c'est un 12 mégapixels sur l'iPhone, oui. alors que là, on est à 13. On est à 13. Euh, D'autres choses également. Bon, on a un écran Full HD, on a un écran OLED. Donc le HTC revient à mmh. l'OLED. Euh, capteur d'empreinte Comment Capteur d'empreinte Oui, capteur d'empreinte, bien sûr. J'ai pu le tester, le capteur ah ouais. d'empreinte, rapidement. Il marche très, très bien. Il est réactif. Et il a un petit plus que tous les smartphones n'ont pas. Euh, C'est qu'en en fait, il permet de déverrouiller. Alors là, il n'est pas en route, hein, mais il permet de déverrouiller euh, le téléphone alors même que l'écran est éteint. Ce n'est pas ah, toujours pas le mal. cas sur les smartphones. D'accord. On est parfois obligé de passer par deux étapes euh, et ça ralentit un petit peu le processus. Il embarque euh, un des tout derniers processeurs de Qualcomm, un Snapdragon 800, oh. euh, 617, 617. Voilà, je vais y arriver. Euh, 2Go de mémoire vive, euh, bon, on a une, une mémoire de 16 go interne qui peut être étendue grâce à un lecteur de, de micro SD qui accepte des cartes jusqu'à 200 gigas. Ça semble ah oui. devenir un petit peu la norme là, sur les nouveaux ah, appareils. Gigas, là, il, ça commence à être assez sympathique. Il faut une petite hein. carte à l'iPhone quand même. Hein. Voilà, il... donc euh, il a quand même des, des belles caractéristiques. Son prix 600 euros et finalement... Oui bah, bah, c'est pas si cher. C'est pas, pas si cher. <laughs> pas si cher pour un smartphone vu, haut de gamme. Voilà, vu sa finesse, son poids, etc. Voilà. Oui, il est un petit peu plus grand mmh. que l'iPhone 6S, mais c'est normal. Il a aussi un écran qui est plus grand, c'est un écran de 5 pouces. Mmh. Alors que l'iPhone 6S, c'est 4,7. Et sinon, il est quasiment aussi fin. Bon, voilà, 600 euros pour ce HTC. Euh, alors vous savez quoi, maintenant, euh, Stéphanie va vous présenter. Un appareil qui coûte simplement 10 fois moins cher. Voilà. voilà. Vous prenez 600, vous divisez par 10, mais vous vous dites quoi C'est une coque d'iPhone, une coque d'iPad C'est quoi Ben non, c'est une tablette. C'est une tablette. Alors, des tablettes à en 60 bois. euros, <laughs> voilà. il Et en existe. On ne, peut pas les... pas. <laughs> voilà, on ne peut pas les allumer. Non, non. Non, il en existe hein, des tablettes à 60 euros, on le sait en supermarché, oui, on sûr, en a déjà en a vu, mais souvent la qualité est vraiment catastrophique, surtout au niveau de l'écran. L'écran est à peine euh, ouais, à on peine a des lumineux, processeurs exotiques, euh... on a des vieilles euh, technologies ouais. de dalle, enfin c'est vraiment euh, pas beau à voir. C'est pas réactif, euh, rien du tout. Là, on a la tablette d'Amazon Am qui coûte 60 euros, qui est un format 7 pouces. Alors Ils avaient déjà un petit peu amorcé. C'est la chose l'année dernière avec la Fire 7 qui coûtait, qui coûtait, je crois, un petit peu plus de 100 euros. Et là, on arrive vraiment à un prix plancher. Mais qu'est-ce qu'on a Parce que bon, 60 euros, évidemment c'est une somme. Mais pour avoir une tablette... Euh, complète qui est pas vilaine enfin je veux dire euh, ça va hein, elle, elle est correctement euh, finie euh, euh, bon non l'écran c'est quand même alors un elle écran c'est euh... sûr que c'est pas un iPad c'est clair mais bon ça coûte dix fois moins cher qu'un iPad quoi quand même. il faut il faut être on a un, on a un écran IPS donc c'est plutôt agréable à regarder mais ouais. il fait que 300 Candela en luminosité, donc c'est vraiment oui, oui, oui. assez bas. Le est... design est très basique, les voilà. spécifications sont très basiques, et on peut même penser qu'Amazon la vend plus ou moins à perte, parce que le but d'Amazon, ce n'est pas de vendre des tablettes le but d'Amazon, c'est de vendre le Après contenu. Après tout le contenu voilà. qu'on va acheter sur la tablette. Et c'est une tablette de contenu, on est bien d'accord, parce que c'est le, le système d'Amazon, Fire OS, mm -hmm. dans une nouvelle version. Euh, c'est plaqué sur de l'Android, la base c'est Android, mais on a du coup tous les services Amazon et entre autres leur nouvelle plateforme Underground. Bon, c'est vrai que l'appareil photo, euh, bon. Ah non, c'est un, euh, un 2 mégapixels. sur les tablettes, c'est jamais vraiment miraculeux. Et, mais ouais, mais alors là, en soit, encore une fois, c'est vraiment pas du tout miraculeux. Encore une fois, pour un capteur 2 mégapixels, il n'est pas, si pas si mauvais. J'ai vu pire. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc alors, c'est parfait pour quoi le contenu, ça C'est le contenu. Voilà. voilà. Pour regarder, pour contenu, regarder des films, pour écouter euh, de la musique, pour pouvoir euh, stocker tout ce qu'on a acheté sur Amazon, euh, l'avoir dans le cloud de façon illimitée. Euh, c'est euh, la plateforme Underground dont je parlais, qui propose des centaines de jeux gratuits. Ça c'est Génial. Donc mais ça c'est assez là génial. Oui mais oui, il y a un processeur médiathèque 4 coeurs 1,3, c'est comme euh, des smartphones basiques. Oui, disons que la définition de l'écran n'est pas énorme non plus, donc non, ça va permettre pas, de faire même tourner un des jeu des jeux, jeux le processeur. Voilà. il peut faire tourner un complètement, n'importe quoi. Voilà. Mais bon, après, il ne faut pas espérer tourner, euh, faire tourner les tout derniers jeux du, du moment. Quoi. Non, mais en tout cas, pour euh, Noël, hein, ouais, pour bon, les bon, enfants, c'est génial, 60 euros. C'est un cadeau juste. Euh, 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 et puis on n'est pas très tout très le temps, enfin je sais pas, mais c'est vrai que quand on a un iPad et qu'on a des enfants qui le prennent, on voit suite qu'ils arrivent à s'en servir. mais on est toujours effrayant en se disant ⁇ Ah mon dieu, l'iPad, qu'est-ce qui va se passer Il va tomber par terre, etc. ⁇ Là, effectivement, c'est une somme, mais malgré tout, c'est 60 euros, c'est moins grave. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que, euh, Stéphanie, euh, carrément, euh, Amazon, alors je ne sais pas si ça va être en France, mais aux États-Unis, va en vendre carrément des cartons entiers. Avec plusieurs Alors, tablettes à l'intérieur. Tout à l'heure, on, on était un petit peu. Ça nous faisait assez rire. En fait, cette tablette, bon, ce n'est pas une tablette pour toute la famille nombreuse parce que l'écran n'est pas très grand. Ouais. Mais en revanche, Amazon, en ce moment, en vend 6 pour le prix de 5. Euh, oui, c'est ça, 6 pour le prix de 5. C'est-à-dire que pour 300 Donc, dollars, on en a 6. <laughs> voilà, on peut équiper toute la famille <laughs> à un prix vraiment. C'est dingue euh... parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, un produit électronique comme ça. Enfin voilà, 60 euros, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de l'argent, mais mine de rien, par rapport à tout ce que ça apporte, c'est dingue. Quoi. Et on, on, ça devient un vrai objet de consommation euh, qui va avoir une durée de vie qu'on va pouvoir jeter après se Mais surtout, que, quand mais ça surtout avec un confort d'utilisation voilà, qu'on n'avait pas jusqu'à voilà, maintenant. Surtout que, voilà, c'est mmh. plutôt agréable à utiliser. Hein. Merci beaucoup Stéphanie. Et euh, on va terminer par la montre tant attendue de Samsung, alors qui avait fait hyper sensation à l'IFA. C'est vrai que Bruno, tu l'avais vu à l'IFA, on avait été tous bluffés par déjà la finition de la, la montre. Et puis ces petites spécificités techniques qui la distinguent des autres. Oui, alors bon, déjà, euh, bon, là vous la voyez, elle est jolie. Bon, malheureusement, elle est moins jolie que la version classique. La version classique elle ressemble plus à une montre. Ouais, C'est-à-dire que le bracelet blanc, <coughs> n'avait pas forcément... Euh... Très en avant. Oui, quoi. Puis, la version classique est plus fine, euh, ouais. elle, est, elle est moins large, euh, elle a un, une, une bague donc, rotative qui est euh, crantée. Euh, elle est quand même plus... Plus, plus ouais. montre que celle-là qui, qui est plutôt la version. Donc sport. il en existe déjà plusieurs modèles, c'est ça Il en existe deux modèles la version sport qui est, euh, qui est là, là, et la version classique. Euh, les, en fait, on les a dit, ça va parce qu'on sait que y... tu es un sportif, un grand sportif. Voilà, un sportif exactement. Samsung <laughs> a dit OK, c'est Bruno. Je lui file la, la version sport. <laughs> exactement. Voilà, pour grimper à l'Everest et tout, tout ça, c'est quand même conseillé. Non, mais en plus le truc c'est qu'entre la version classique et la version sport, à part peut-être une certaine solidité et un, un bracelet en plastique, il euh, n'y a pas, il euh, n'y a aucune différence en fait. Elles ont exactement les mêmes spécificités, elles ont exactement les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même euh, configuration, oui. même processeur, même écran. Euh, voilà, c'est un écran euh, OLED, très sympathique. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près toutes les spécifications de la montre. Euh, mais en termes d'utilisation, euh, la première bonne nouvelle, c'est que déjà c'est une montre qui a une taille tout à fait raisonnable. Mm -hmm. qui même euh, sur un poignet euh, féminin, je pense, euh, ne fait pas euh, trop gros. Hein, c'est vraiment euh, sur un, un poignet, euh, c'est tout à fait. Euh, ouais, c'est euh, sympa. Voilà, tout alors, à fait proportionné quoi. Bruno, la spécificité de cette montre, ce qui nous a bluffé, mm -hmm. c'est la, la manière dont on interagit avec. Bon, oui. C'est la lunette. Voilà. Alors c'est. comme ça que ça s'appelle. La lunette hein. ou la bague. Je, voilà. bon, on va l'appeler la lunette. Et regardez ça alors. Euh, et on va fait, faire un plan. C il c suffit juste de la faire tourner comme ça et en fait on peut tout modifier avec. Alors euh, par exemple quand on écoute euh, la musique. Euh, donc euh, bon là ça va rien faire mais en fait si que que on peut montre, modifier le volume. On... La montre est connectée à ton smartphone, quand tu as pu play, la, la musique part de ton smartphone. Voilà, en fait, ça, hein. On peut modifier le volume avec la voilà ah ouais. avec la... Avec la, 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 la bague là. moi j'appelle ça la bague, mais effectivement peut-être qu'il faut l'appeler la lunette. Il euh, y a quand même deux boutons sur le côté, un bouton Home, un bouton retour. Euh, tout se contrôle par là. Alors euh, les cadrans sont entièrement personnalisables. C'est assez sympathique. On peut changer tout les aiguilles, l'arrière du cadran. Euh, c'est assez, euh, c'est assez. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec sympa. cette montre et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en gros Alors que, par exemple, gros, je peux parler, je peux passer un coup de fil comme je peux le faire avec l'Apple Watch. Alors, euh, alors justement, euh, il n'y a pas de haut-parleur sur cette montre. Alors que la première montre de Samsung proposait un haut-parleur, on se disait souvent c'est ridicule et tout ça, mais en fait chez soi c'était assez pratique mm -hmm. parce qu'on n'avait pas à prendre le oui. téléphone et on parlait directement à son poignet, bon, c'était oui. plutôt sympa. Ouais. Euh, là il n'y a pas de haut-parleur, donc dire, euh, on ça. pourra juste euh, décrocher avec la montre et euh, on ne pourra pas parler directement à sa montre, il faudra parler au téléphone. C'est un peu dommage, euh, je pense. Euh, cela dit, euh, qu'est-ce qu'on pourra faire Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas en... Androidware à l'intérieur de la montre. Voilà, et c'est ça la spécificité. Voilà. La particularité de cette montre, c'est qu'elle tourne avec un OS propriétaire Samsung. Voilà, c'est Tizen. Euh, donc, oui. euh... De son prénom Mike. <laughs> pas, Mais mal, pas mal. Allez, pour vous. Je vous le... <laughs> là, Ça me fait plaisir. Ça faisait deux heures que je la préparais. Donc euh, <laughs> c'est voilà. Tizen. C'est euh, un logiciel qui, qui tourne très bien. Euh, l... Donc ce n'est pas Androidware. Et c'est quoi en fait la, 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 la petite restriction C'est qu'on n'aura pas les services Google. On n'a pas les services Google. Donc la reconnaissance vocale, c'est S-Voice de Samsung, qui, euh, somme toute, fonctionne plutôt bien. Euh, donc pour euh, notamment dicter ne... ses messages ouais. et tout ça. Ça veut dire qu'elle ne marche qu'avec les, les, les appareils Samsung Non. Elle fonctionne avec tous les appareils Android. Ah, c'est bien bon. 4... Voilà, 4... Bon point pour euh, Samsung, qui s'ouvre ouais. un petit peu à la concurrence, ouais, parce ouais. qu'on se souvient des précédentes montres qui ne fonctionnait qu'avec qu avec certains parten... modèles. Et certains modèles. Certains modèles. Donc là, c'est tous les appareils Android à partir d'Android 4.4 et avec 1,5 Go de RAM minimum. Voilà. Et Donc, iOS, non euh, non, iOS euh, pas encore. Bon, c'est jamais, hein, attendez, Android, pourquoi pas, pas iOS. Pourquoi On pas peut peut-être imaginer que Samsung développe. Euh, alors, 1,5 Go de RAM. C'est pas grave, t'achètes un iOS comme ça. <laughs> voilà, J'achète iOS HTC. <laughs> 1,5 Go de RAM, euh, pourquoi Parce qu'il faut installer trois applications pour la faire fonctionner déjà. Oui, oui. Euh, bon, donc euh, en termes d'économie de, de, de batterie, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en, on, on vous dira ça pendant les tests. Hein. Euh, et donc, alors, il y a 400 applications sur Tizen. Oui. Euh, il, il est censé y en avoir plus. Euh, bientôt euh, mais par exemple voilà donc la, la reconnaissance vocale s Voice et il euh, n'y a pas Google Maps par exemple Google Maps mm -hmm. est remplacé par l'application Here euh, vous savez euh, oui, de Nokia c'était l'ancien Nokia maintenant qui a été mm -hmm. racheté par un consortium d'automobiles allemand mm -hmm. euh, et bon Ear qui est tout à fait euh, bien non, qui, qui, qui fonctionne très très bien oui, oui bien sûr ouais. donc, oui donc, euh, euh, donc on n'a pas nos petites habitudes quoi si on a l'habitude d'avoir Google etc voilà, et là il va falloir avoir c'est pas les services, services. voilà c'est pas les services Google Mmh. Euh, il faudra attendre aussi que euh, les applications se développent dessus. Bon, il y en a déjà 400, c'est pas mal. Euh, c'est pas plus mal, hein, euh, si vous voulez à mon avis, c'est pas plus mal que ce soit une montre sur euh, Tizen et pas Android Wear, parce que Android Wear est très limité actuellement. Regardez donc, là, euh... enfin, on a l'impression de voir un vrai cadran de montre. Ah, oui, ça, c'est l'écran AMOLED. Hein. Mais c'est mmh. incroyable. Mmh. Regardez la, la, la finesse de l'aiguille. On a l'impression, alors là, c'est éteint, mais quand c'est allumé, on a vraiment l'impression de voir un boîtier de montre. C'est un truc de dingue. On a son prix. Alors, c'est 359 en version sport, 379 en version euh, classique. Étanche Elle est étanche IP68. D'accord, donc, donc on euh, peut se laver les mains avec. Oui, oui sans euh, aucun voilà. problème. Je Parfait. pense même qu'on peut nager avec, hein, euh, ça ne pas de problème. Jolie montre. Est-ce que ça va être la première montre qui euh, va euh, voilà, être euh, plus qu'intéressante chez Samsung Parce qu'on sait que les, les, les précédents essais ont été un peu, euh, un peu mitigés. Alors cas, oui, ce ce sera une montre, hein. oui, ce sera une montre, je pense, euh, très intéressante. On attendra de la tester complètement avant de le dire, mais pour l'instant, c'est très encourageant. Mm -hmm. Surtout que d'après les premiers retours, on a des, une très bonne autonomie de oui. plus de deux jours. Donc euh, là, c'est assez sympa. Ah, ouais. Et là, vous voyez, euh, si vous voulez euh, montrer en gros plan, euh, l'attache du bracelet, qui est assez facile. Euh, on peut changer les bracelets de manière assez facile, sachant que euh, la version sport qui est ici, là, mm -hmm. a une attache euh, propriétaire. Alors que la version classique a une attache universelle 20 mm ah, de montre. Donc il va falloir bien choisir ouais. avant. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un capteur de, fré de fréquence cardiaque. Oui, euh, bien, arrière, sûr, euh, bien sûr. Le, le podomètre, poutre. fréquence cardiaque, euh, tout ce qu'il faut. On peut même, lorsqu'on boit un café, rajouter qu'on a mmh. bu un café. Comme ça, ça, bon, voilà, ouais, ça, ça monitore complètement. La, ça surveille complètement l'activité ah, quotidienne Il faut même dire à sa montre qu'on a bu un café. On a compte c est compte ouais. Merci Bruno. De rien. Voilà la Gear S2 euh, à découvrir, bien évidemment, bientôt en vidéo. On va vous préparer une petite vidéo de présentation. Et puis un petit peu plus tard le test euh, avec euh, toutes les spécificités techniques de cette montre. Merci beaucoup Bruno. Merci à Stéphanie. Merci. Voilà, ce 01 en live hebdo est terminé. Peut-être jeter un dernier œil euh, sur notre sondage. Je vous rappelle qu'on vous demandait euh, si vous étiez prêt à payer pour avoir du YouTube sans pub. Ouais, bah écoutez, euh, ça a changé. On est passé de 93 à 92 de non. Euh, voilà, donc on voit quand même que la majeure partie d'entre vous n'est pas prêt à, à investir 10 dollars ou 10 euros par mois pour euh, ne plus avoir de pub sur YouTube, même si on s'est rendu compte avec euh, Eric tout à l'heure qu'il y aura beaucoup plus de services comme par exemple Google Play Music qui sera inclus dans ce service. Ça va peut-être changer la donne. Euh, voilà, ce Zéro en Live Hebdo est terminé. N'oubliez pas l'enceinte DIVA Accord Bluetooth Cthulhu 2 a gagné. Vous avez euh, vu ce Zéro en Live Hebdo en intégralité. Eh bien, vous allez sur 01 même si vous nous regardez sur YouTube, hein, www.0netTV.com et vous répondez à la question question qu'on vous pose qui est sur la gauche de l'écran. Euh, ça sera très facile et vous participerez au tirage de sort pour emporter cette enceinte. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, je salue mon camarade Jérôme qui sera là de retour jeudi prochain et à très vite sur 01Net TV.